12 000 casques bleus seront déployés en septembre en Centrafrique. Une résolution en ce sens doit être votée au Conseil de sécurité de l'ONU ce jeudi. Mission de ces soldats de la paix, rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays, assurer la protection des civils et éviter à tout prix de nouveaux massacres interreligieux. Moi, je suis chrétien, je vis parmi les musulmans pour atteindre le niveau de kilomètre 5. Donc cela veut dire que la paix commence quand même à rétablir pour atteindre. La solution, c'est un dispositif de sécurité. C'est surtout ce qui est prioritaire. Il faudrait qu'il y ait la sécurité musulmane, chrétienne. On est toujours ensemble. On peut faire le contraire ensemble. S'il y a la sécurité. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est dit prêt la semaine dernière à participer à l'évacuation d'urgence de 19 000 musulmans vivant à Bangui et dans d'autres régions en raison des menaces que les milices chrétiennes anti-Balaka font peser sur eux. La France s'est dit prête à participer à ces évacuations, mais en dernier ressort uniquement.